commencer le record. Donc, deuxième match, semi-finale, Ex-Vincent contre Seals, possiblement Bowser contre Ganondorf. Seals qui était sorti Ganondorf dans le dernier set. On va voir qu'est-ce que ça va sortir. C'est parti. Ace Vincent, Seals, best of five, Bowser, Zelda. Un match de top 4. Ok, on y va avec les grabs. Une petite situation un peu jank qui s'est passée en début de match. On y va avec le smash, on essaye des fers, on y va avec la tilt. Le down air qui permet de revenir. Oh! Allez, c'est une situation que... Ouais, un match assez serré. Et on va voir jusqu'où ça va nous mener. Évidemment, un très heavy contre une poids plume. Dans le coin, le top corner. Première vie retirée pour Zelda. Bon, on s'échange des coups dans le vide. Quelqu'un. Oh, le Thunder Kick. Et voilà. Le petit sour spot du down air qui, malgré tout, enlève la vie à Bowser. On se retrouve à égalité numérique pour Lévi. On peut revenir avec le tilt. On empêche Bowser de faire le side B. Et voilà, un bon punish du côté de Bowser. Même lui le sait, on l'a entendu. Il le méritait. On va le dire avec toi, Gab, tu le méritais. Donc on y va. Encore un petit peu trop lourd pour s'essayer avec le petit combo avec le hobby. On se retrouve pratiquement. Les Vincent qui joue bien à soir, évidemment, comme tu l'as dit. Empêche beaucoup provoque beaucoup de punish. On voit avec un upper qu'on retourne à égalité des vies. 50%, 72% d'avantage, 84% d'avantage pour Bro. 95, on évoque beaucoup des upper. On tente de revenir sur le terrain. C'est difficile pour Gab. Évidemment, avec le command grab, le side B de Bowser, dont un nom que BJ sait très bien, que moi je m'en souviens plus. On va avec un bear. Tilt dans le smash. On s'est essayé avec un point DI, un roll vers le ledge, évidemment. Donc 1-0. Ace Vincent! Deuxième match, on garde Zelda du côté de Seals. Toujours sur Small Battlefield. Évidemment, avec le côté d'adaptation de Gam, il peut avoir un changement dans ce match. On va encore avec des command grab.
C'est une valeur sûre pour Bowser et Vincent qui sait en profiter. On essaie de garder nos distances. On tente de profiter des ouvertures. On y va avec le... pas le ledge trap, là, mais j'ai oublié le nom. On reste jamais à terre. Si quelqu'un peut m'aider, qui est encore à l'écoute, évidemment. Donc on se retrouve presque à égalité au complet. Qui tentera... Oh, nevermind, la première vie est retirée pour Zelda. 134-0. Un simple petit sidekick, puis sidekick, ouais. Un thunder kick plutôt, pardon. On va pouvoir enlever la première vie de Bowser. En fait, ça serait, ouais, je crois que c'est le juggle, le brochu, quand que, autrement dit, que le personnage reste à terre, puis que t'es capable de donner deux... Oh, jablock! Bon, il a fallu que je le trouve, le jablock. On a eu une petite situation de jablock. Donc, une vie de chaque côté retirée. Et 108% à 0. On a une distance, un simple fer pour enlever la deuxième vie. Ou même la vie complète avec un le side B. Et voilà. Non! Un bon d'hier réussi. Le fer qui... Non, mais Zelda qui est rendu en dessous de Bowser. Puis, ok, regarde, je vais arrêter là. On l'a tout vu, ça marche, ça connecte, là, mais que ce move est enragé. On y va, on se retrouve encore à peu près à la même situation que tantôt. Ok. Le SD. Du. De Seals, malheureusement. 2-0, Ace Vincent. On y va presque pour le troisième match. Dans le temps de choisir la chanson. Donc, on y va. Troisième match. Ace Vincent. Seals. On garde les deux bonhommes de chaque côté. J'étais sûr et certain que Ganon allait sortir, mais comment que Gab doit connaître certains des avantages contre Bowser, peut-être. On va voir qu'est-ce que... On va y aller pour le troisième match. Est-ce que Gab réussira à rebondir? Date, on est dans une bonne situation. Attention, les coups qui connectent. Le tilt qu'on était sur le bord de pogner. Évidemment, ça a pas communiqué. Bien joué de la part de Garde. Ok. Juste à temps, probablement pratiquement last frame avant que Zelda disparaisse. Whenever, écoute, mais ce qui est fait est fait. Première vie retirée encore avec le side B. Évidemment, c'est sûr que. Bon, une vie de chaque côté, on retrouve à égalité numérique. Bon, il va avec le petit combo de départ, déjà 43% en quelques secondes. Et va, on profite du fantôme pendant qu'on est à distance. Tilt, up tilt, up tilt, on y va, ok. Le simple coup avec le sport en mode de Bowser aura permis de pouvoir faire son down air. Thunder kick. J'essaie de certains mix-up, on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire. Bien esquivé pour Brother J. On y va avec le side B pour, dans le fond, tout simplement de se sauver de la situation.
Le Uptilt, premier avantage dans Nevermind. On se retrouve encore en égalité. Une vie de chaque côté, 0%. C'est un nouveau match, un match d'une vie. On a réussi à se sortir de là juste à temps. Donc avec le feu, on retourne pratiquement à égalité. Bien dodge. Encore avec le side B. Pratiquement, elle ramène le même pourcentage de dégâts juste avec ça. Le smash qu'il va chercher avec le fantôme. On y va! Ah! Réussi à revenir! Le Uptil! Oh! Oh! On l'a eu! C'est pas terminé! 2 à 1! On s'en va en match numéro 4! Tu vois, je t'en fais à la fin, mais juste des fois! T'as gagné, Gab, tu bannes! Petite confusion, vraiment, due à sa victoire. On y va. On va prendre le temps de choisir le terrain. Vraiment, aller chercher une toune de Megaman. Non, même pas, de Bayonetta. Je sais quelle toune que Gab va aller chercher. Rider of the Light. Bayonetta. Belle musique pour de la hype dans ce match. Match numéro 4. Sears Ace Vincent. Ace Vincent en avantage d'une vie. Simple feu. Un 0 to death pour Ace Vincent. Le feu qui doit avoir pratiquement monté de 50%. Incroyable. Essaye tranquillement de reprendre l'avantage. Vous allez sûrement. Oh! En passé proche. Thunder kick. Et voilà, avec le feu. Pair. On essaie. On a fait le grab un peu trop vite. On tente de revenir le faire. Il réussit à passer au travers du fantôme. 2-1. Dernière vie pour Gab dans ce match. Possiblement pour le site. Donc, allez, on joue avec la puissance, le second souffle, avec le désespoir, qui sait, et on aurait pu le side B. Under kick qui s'en va chercher. Ah. Bien vu pour Ace Vincent d'esquiver la boule de feu. Elle descend tellement que. Oh! Le fantôme qui réussit à enlever la deuxième vie. C'est pas terminé. T'es-tu en disant best of five, Mathieu? Ok, en pratiquement. Ah! Le dernier qui va faire rebondir.
3-1 Seals, victoire de S25, ça va en finale. Gagnant. C'est la première fois que je vois Seals. Ouais, vraiment que mon match s'en vient. Moi, je vous...